Bonjour, bonjour. Nous sommes arrivés au campus de l'université de Pitești. Et là, je vous fais une vidéo pour vous montrer un peu le paysage. Ça, c'est à l'intérieur. Et là, nous allons loger Lynn, la Congolaise qui vient d'arriver. Et elle est logé précisément ici dans la chambre 14. Allons-y. Il y a deux chambres comme vous avez vu. Ici c'est le 15 à droite et à gauche c'est le 14. Nous avons pour les deux chambres, il y a les toilettes telles que vous voyez. Et ici à droite, c'est la salle de bain. Qui sont communes pour toutes les deux chambres. Ce sont des chambres, comme vous allez voir, de quatre filles. Voyez-vous, il y a donc deux armoires, une armoire à gauche, une armoire à droite, et chaque armoire, c'est pour deux filles. La moitié pour chaque fille. Et voici les lits. Bon, évidemment, ce n'est pas de 5 étoiles, hein. Bon, ça va aussi du prix. Vous voyez ici, la place coûte, toute charge comprise, 80 euros et par mois. Donc, l'électricité, le chauffage, la salubrité. Ils ont aussi un réfrigérateur. Et une table à côté du réfrigérateur. Ça, c'est la table qui sert de cuisine ou de salle à manger. Et l'autre table, c'est la table d'études. Évidemment, comme vous voyez les chaises, ça laisse un peu à désirer. Mais qu'importe, vous pouvez acheter votre propre chaise si ça ne vous convient pas. Ça ne coûte pas cher. Vous pouvez trouver des chaises à 10 euros. Et voilà. Donc, le lit, il est. Vous avez toute la lingerie qui est changée une fois par semaine. Et là, par exemple, on n'a pas encore amené les couvertures. Lynn étant la première fille à intégrer cette chambre, elle va donc recevoir les trois autres qui vont venir au fur et à mesure. Voilà, je pense que vous vous êtes fait à peu près une idée. Voilà, ça c'est. Ça, c'est le lit. Il est fin prêt. Il n'attend plus que les filles. Voilà. Et là, vous avez une vue vers le stade, le terrain pour les étudiants. Quand vous voulez faire votre sport, vous allez là-bas. À droite, là-bas, c'est les salles de sport. Et de l'autre côté, il y a une salle de, pardon, un terrain de handball. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du logement ici à Pitești. Je vous avais montré dans une autre vidéo que vous pourrez voir dans la même liste l'extérieur et voici donc l'intérieur. Quant à la propriété, cela dépend des locataires. Si vous êtes propre, votre chambre sera propre. Si vous ne l'êtes pas, ça sera sale, donc on ne peut pas tenir compte de ça. Merci. N'oubliez donc pas de vous abonner si vous voulez recevoir des vidéos de ce genre et de commenter, de poser les questions que vous voulez. Le contrat se signe pour un an, c'est-à-dire l'année académique, jusqu'en juillet. Et avec ce contrat, vous pouvez aller compléter votre dossier de séjour. Merci et à la prochaine vidéo.